Amis de la cuisine légère diététique, de la gaudriole et de la France qui rigole, bonsoir. Alors là, pour ce retour de ces petites vidéos, je vais faire donc du blanc de poulet, mais de façon très épicée. Et donc pour cela, j'aurai besoin de beaucoup de choses. De piments, de poivrons, une sauce tomate maison, pour le coup, un oignon, du curcuma, du gingembre, du cumin, du curry, un bouillon de volaille, et j'accompagnerai le tout de riz. Kilou. Mon bouillon de volaille, ça sera utile vraiment vers la fin. Le riz, donc 1 litre d'eau, commencez à faire chauffer. Donc maintenant, je vais préparer la partie accompagnement. On va commencer par exemple par les poivrons. On met les poivrons dans un bol, on assainit le plan de travail et on repart avec l'oignon. Découpage en lamelles. Bol. Donc voilà, donc pour le riz, un petit peu de curcuma. Alors la viande, on va simplement la découper en petits morceaux. Que je vais réserver. J'en profite avant d'oublier pour me sortir un petit peu de piment. Voilà, que je vais rajouter à mes préparations oignon poivron. Vu que la préparation qui accueille le riz va commencer à bouillir, je vais mettre le riz. Mousse. Bon, il faut compter environ 10 minutes. Voilà. Ma préparation, je vais la... Alors, pour le riz, je vais saler un petit peu. Le but avec le sel, c'est 10 grammes par litre. Je sale un petit peu ma prépa. Je lui rajoute du gingembre. Voilà, j'aime bien. Hein. Comme ça, ce soir, un golo golo. Et je vais m'occuper maintenant de la viande. Donc la viande, on va la tranquillou, la cuire, la dorer en fait. Une fois que la viande est prête, vous pouvez la réserver et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est tout simplement notre préparation poivron, oignon, petite épice sous forme de piment que nous allons faire revenir.
le poivre. Le sel. Pour aider à tout ça, je vais me servir d'un peu de bouillon. Je vais rajouter la sauce tomate. Mais encore du cumin. Et du curry. Je mets avec le bouillon de volaille. Bon là je ne l'ai pas précisé, mais le riz, la cuisson est finie, donc je la maintiens au chaud. Là ça commence à sentir super bon. Les amis, le poulet face, on va dire à l'indienne, donc avec le riz qui a bien pris, c'est une coloration jaune donnée par le curcuma, les poivrons, l'oignon qui baigne là-dedans, les diverses épices, voilà. Bon appétit. Sur ce n'est que du bonheur, portez-vous bien, carpe diem.